Voilà, bonjour à tous. Encore une petite vidéo et je reste un peu dans le bricolo aujourd'hui puisque je vais vous montrer quelque chose que j'ai pu créer. Alors, c'est parti d'une idée très simple. Hein. On travaillait, on était avec Roger en forêt. On ramassait quelques châtaignes pour l'hiver et on a ramassé ce morceau de bois brut que vous voyez là. Et donc, après pas mal de transformations, on a fabriqué, si vous voulez, à partir de ce bois brut. Je dirais des canisses pour couvrir une petite pergola hein, qui fait 3 mètres par 4. Et donc, hop, regardez bien, voilà. Donc, voilà, c'est transformé ici. Vous voyez ici la transformation qui a été accomplie. Donc, là, il n'y a que deux petits brins, c'est-à-dire qu'en fait, ces deux petits brins s'obtiennent avec un quart de ce morceau. Vous le voyez ici, bien dessiné dans sa forme. Et donc ça s'obtient comme ça. Alors certains vont peut-être me poser des questions un peu étranges, un peu farfelues, mais je les comprendrai. Les pinces à linge, il y en a une ici, une autre ici. Alors elles servent à quoi? Elles servent à lorsqu'on fait, on applique un petit peu de colle patinée, voilà ici là, et bien donc ça sert à faire adhérer la colle, tout simplement. Voilà, donc encore, c'est encore une petite vidéo. Hein. Donc voilà, ceux qui sont intéressés, je peux éventuellement leur donner la marche à suivre pour fabriquer ces petites boutures. Moi, j'appelle ça des boutures hein, parce que je suis assez, j'aime toujours un peu l'esprit de jardinage. Et voilà, des boutures qui permettent de couvrir les pergolas. Voilà, bientôt sur la chaîne Caputo 083 pour d'autres vidéos très sympathiques.